Donc, toujours dans tes travaux. Oui, c'est ça que j'aime. Moi, tu vois, mine dans mes bras, tu m'as trop manqué. chérie. bébé, comment tu sens la sueur comme ça? La sueur? Mais pour quelqu'un qui travaille dans un bureau, c'est bizarre. Non, en fait, quand je rentrais aujourd'hui, il y a ma voiture qui est tombée en panne. Donc, j'ai poussé, poussé, poussé. C'est pour ça que tu sens la sueur ce mois-là. Oh là là, je vais te couler un bain alors que tu te... Pas de bain, j'ai trop travaillé, j'ai beaucoup faim. Tu peux me servir à manger, ça me fera plaisir. Ça va, assieds-toi mon cas, assieds-toi. Tu as fait quoi Léa déjà? Oh, c'est une surprise. Attends, je vais vite, je prends ton repas. Assieds-toi mon cœur. Attends. Le téléphone sonne. Tu fais comme si c'était la guerre. De quoi ça va? Non, t'inquiète pas, Serge. Il n'y a pas de problème, je vais rappeler. Bien sûr. Décroche. Mais non, ce n'est pas. Ne t'inquiète pas, mon le père. Le téléphone. Tu as faim. L'important, c'est que tu manges. Non, non. Non. Le téléphone est fait pour quoi? C'est fait pour être décroché. Quand il sonne, on doit le décrocher. J'ai dit, pourquoi nous les hommes fidèles, sérieux, honnêtes, on va toujours tomber sur les femmes malhonnêtes comme toi, comme vous, comme ça là? Tu es fidèle. Je savais depuis que tu me trompais. Donc ça alors ma faute. T'as pu me dire pour le voleur et pour le vrai patron. C'est aujourd'hui là. En tout cas, quand le téléphone sonne, il ressonne. On l'appelle une fois. Est-ce que c'est de ma faute alors? Je suis venu prendre, ça s'est arrêté. Il a coupé. C'est pas ma faute. Il a appelé une fois, il va rappeler. Tiens-le. Voilà. Tiens-le. C'est un homme et c'est une femme. Décroche. Voilà. Écoute bébé. J'ai dit décroche. Ouais. Ah bon, attends. Ah, quelqu'un achète son téléphone, ça devient pour toi. Ah. Mais au parleur, au parleur, au parleur. Ah! Allô? Mimi? Oui. Ah, comment tu vas? Ça va! Ça va! Ici c'est Cello! Cello! Oui, oui, et oui! Dis-moi, ça va? Voilà, ça va? Tu n'es pas seule? Allez, j'entends les voix. Oui, je suis toute seule. Ah, j'ai des très très bonnes nouvelles, très bonnes nouvelles, voilà. Quand je dis j'ai beaucoup d'amour pour toi, tu ne fais pas confiance moi. Tu dis ton mari, il l'aime, tu l'aimes beaucoup. Ah, mais quand si je te dis ce que je vois, ce que j'ai vu moi aujourd'hui, c'est grave. Attends, il a fait quoi? Et il était à l'hôtel avec sa maîtresse. À la sortie de l'hôtel, bisous central, il avait qu'un sourire jusque là. Tu as vu, qu'est-ce qu'il faisait, dis-moi, parce qu'il faut que tu décrives tout le Jacques, hein. Ah ben oui, hein, faut pas me poser la question, qu'est-ce qu'il faisait à l'hôtel. Non, mais une femme à l'hôtel, c'est pas pour faire les dessins, hein, voilà. À l'hôtel? À l'hôtel? Et puis, mon problème, c'est quoi dedans? Ah, tu ne sais pas, hein. Lundi, c'était dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans. Mardi, c'était dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans. Mercredi, c'était dedans. Dedans. Tu étais dedans. Dedans. Tous les jours pendant l'année. Dedans. Tu étais